idée. Et vous me rappelez la semaine prochaine, ok? Allez, au revoir, monsieur, merci. Hey, coulis. Ouais, ça va, bon là, les clients font un peu chier, ils mettent trop de temps à se décider. Faut pas faire attention, pardon. Ouais. Ce soir, non, je vais aller voir Romain, il a un truc à me raconter, donc on va voir. Ouais. Bon, allez, à tout. De négocier un contrat chez nous. Bon, ce que je fais, c'est que je donne rendez-vous demain matin pour le premier. Ok, on fait comme ça. Et bonne soirée, monsieur. Au revoir, merci. Ah, excuse-moi, ça durait plus longtemps que prévu, je peux dire. Bon, tu sais, j'ai l'habitude, hein, t'es toujours en retard. C'est pas un fait d'avoir un travail important. Hein. Bah, ouais, mais justement, par rapport à ça. Juste un truc, attends. Il est où le serveur? J'ai vraiment trop faim. Non, il est passé tout à l'heure, on t'arrive, j'ai commandé comme d'hab. Ouais. Bon, ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh ben, tu vois, tu te la pètes avec ton travail tout ça, hein, mais devine qui c'est, le nouveau directeur du parc informatique. Non, sérieux? Ah, oh, c'est énorme. Mais t'as encore profité de ton père, toi, c'est obligé. Non, c'est pas lui qui s'occupe de l'organigramme cette année. Ouais. Comment elle va, Lily? Ça va. Elle aussi, elle a un nouveau travail, là. Ouais. Encore? Elle fait quoi? Elle travaille dans une boutique au centre-ville. Une boutique de fringues? Mmh. Ouais, bah tu pires l'adresse. Ouais, bah ok. Longtemps que je suis pas bien en plus. Ouais, ce qu'elle me disait hier. Merci beaucoup. Merci. Ouais, t'as le cas. Salut. Alors, ça va ton nouveau boulot? Ouais, bah y a une bonne ambiance, c'est cool. Et toi avec Romain? Ouais, bah ça va, il a une promotion lui aussi. C'est pas trop étonnant, son père c'est le directeur. Ouais, enfin, apparemment, c'est pas que grâce à ça qu'il l'a eu. En fait, t'as pas oublié, demain, on va visiter la maison dans le centre. Oh, putain, demain, à 9h, j'ai encore un client à voir. Putain, mais Alex, ton boulot, il fait chier. Bon, je m'arrangerai pour être là, c'est pas un souci. Mmh. Bon, il est tard, on devrait peut-être aller se coucher. T'es sûr de ça? Ouais, on doit pas avoir l'air éclaté. Bon, mademoiselle, on va parler de tout ça dans la chambre. Ça va, non, tu passes ça. C'est bon, ça va aller. Nice. Alors vous allez trouver des opposants politiques, vous allez trouver des juifs aussi, et c'est là qu'on va trouver... Alex, si ça t'intéresse pas, tu dégages! Non, excusez-moi madame. Bon, vous pouvez y aller, vous n'oubliez pas que moi je vais organiser les cartes de bureau, hein. Ouais, merci. Putain, t'es vraiment un boulet, mec. Ah, c'est pas ma faute, en plus on est à la bourre. Mais t'es con ou quoi? Quoi? On commence dans 10 minutes. Ça sert à rien. Bah non, on est à la bourre, mais là on fait exprès d'attendre. Il y a une matraque, il y a des points. Et bah, en fait, c'est une certaine façon. Vous savez, c'est genre... C'est à toi. Ah ouais, non. T'as du mal à t'expliquer, je crois. C'est le matin. Bonjour tout le monde. Salut. Bon, on fait quoi ce week-end? Comme d'hab, que d'hab. Non plus, j'ai un prévu. Toi, Eli? Moi, je sais pas non plus. Ça vous dirait de l'âne? Ouais. Ah ouais, c'est énorme, ouais, cool.
Tu veux venir? Moi, je sais pas ce que c'est une lame. Tu sais pas ce que c'est qu'une lame? Non, mais tu sors des fois. Ouais, peut-être qu'en fait, elle sort, elle. Mais je veux bien essayer quand même. Ah, ça te fait rien. Ouais, regarde. Tu encore nous sortir là? Et non, je t'ai pas là. Oui, Lily, qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'en es où? Ouais, je m'en vais là, j'arrive. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, je suis le plus vite, allez, à tout, bisous. On continue? C'est bon, je suis là. Ouais, sauf que la visite est finie, monsieur doit partir. C'est pas grave, au pire on peut reprogrammer une visite. Si t'as l'heure la prochaine fois. Bon, on se dit à bientôt. Ouais, je vous appelle. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu sais que j'en ai marre, hein. Je peux jamais compter sur toi à cause de ton travail. Ouais, enfin c'est bon, c'est grâce à mon travail qu'on peut changer d'appart. Je travaille aussi, je te signale. Je change de boulot tous les deux mois. Ça fait quoi? Je ramène des sous quand même. On va s'arrêter de les dépenser pour de la merde. Mais faut arrêter un peu. Non. Mais arrête de me couper aussi. Bah fini, vas-y. Elle t'a plu au moins? Ouais, bah elle était jolie, ouais. C'est marrant quand elle est là-bas. Mais là maintenant c'est mort, on est reçu pendant aujourd'hui au prix où elle est. Mais merde, tu peux pas les mettre dans la glacière au lieu de gueuler là. Ça va. En fait, elle devait pas venir, Lily. Si, mais après. Bon, après, t'as bien pas. Bonjour les gars, bonjour. Et ça, en fait, ça tombe comme ça. Hein. Salut. Salut, je prends ça. C'est quoi ça? C'est un écran. Mais en fait, tu on réessaye, c'est bon Alex? C'est bon. Ok. Putain. Merde. Chier, merde. Bon, pour une fois, c'est pas de ma faute. Hein. Ça fait chier, en plus j'avais tout prévu pour les surtensions là. Ah bah bravo. C'est quoi encore? Bah tu crains ça. Ah c'est bon ta gueule. Là, je suis sûr que quelqu'un aura besoin. C'est mon père. Mais il faut mieux que le tien, franchement. Oh, merci. Vous me gonflez avec vos conneries. Faites rien de la semaine et vous restez enfermé tout le week-end. Hein, papa, sois cool, merde. Je serai cool quand tu sauras faire autre chose que bouger une souris. Et je te signale que c'est mon matériel, j'en fais ce que je veux. Ah mais merde, je suis avec les potes. Non. Donc, on a tendance à penser hein, que la puissance japonaise, à notre époque, elle est quand même extrêmement diminuée. Putain, les mecs, ça fait chier. Mon père, il m'a toujours pas rendu le PC. En même temps, ça va être resté normal. Ouais, t'as pas envie d'être resté normal. T'as eu avec ton PC, j'ai continué à mettre chez moi. C'est sûr qu'on est devant la Chine. Le Japon, c'est la première. Bon, ça va rien de s'emmêler. Trouver une solution. Bah, au pire, on partage quelqu'un. Une voilà, on peut montrer à nos parents qu'on est capable de faire autre chose que de jouer tous les week-ends. Bah, allez, on a qu'à bouger nos enfants. Et aller dans une grotte. Noël, pour anniversaire, c'est des choses, vous savez, qui ont été conçues au Japon. Ouais, sérieusement, on a qu'à faire un camping. Bon, Alex, franchement, là, tu dépasses les bornes depuis longtemps. Alors, si tu veux pas travailler en classe, ton cours, t'iras l'apprendre en col de 5 à 6. Putain, j'en ai marre de prendre pour les autres, là, à chaque fois. Les autres, au moins, ils sont discrets. Je t'ai gavé d'avoir pensé à ça. Eh ouais,
je me suis dit que c'était tellement rare sur un moment qu'on voudrait peut-être regarder un petit souvenir. Ouais, bah l'avantage c'est qu'on ne sera pas emmerdé par les parents. Ouais, c'est sûr, on va passer un bon week-end. La caméra ! Bah, faut bien que t'apparaisse sur la vidéo. Là, par contre, elle a pas tort. On va le faire tout seul. Ouais, et porter les sacs, trop dur aussi. Bah, t'étais où ? Crois pas que tu as échappé au déchargement, gars. Bah, j'étais juste allé pisser, ça va, je peux me tenter de ça. Faudra faire gaffe, y'a plein de trous là-bas. Attends, un quart d'heure juste pour aller pisser, tu touches moi. Bah, je voulais être tranquille, qu'on me voit pas. Alors, le petit Pierre est timide ? Tu sais, il faut pas. À part moi, ici, personne n'est parfait. Bon, c'est quoi ? Faudrait peut-être commencer à monter la tente, parce que moi, je sais pas faire, on va mettre du temps. Oh, c'est le moment de t'amuser, la merde ! Non, mais t'inquiète, j'ai déjà fait. Hey, Romain, ramène le ballon. Ah, j'arrive. Putain, les gars, les balles. Si, si. Et vous savez pas d'où ils proviennent? Non, c'est flou, j'arrive pas à voir. Et ça vous rappelle rien? Non. Alors, rien du tout. L'endroit me dit rien non plus. Vous avez fait un travail sur vous, Alex, et que vous découvriez la cause, afin que l'on puisse comprendre pourquoi vous faites ces cauchemars et que vous puissiez récupérer votre sommeil. Ouais, moi je vais essayer. Vous savez, Alex, nous avons tous au fond de nous des secrets, il faut juste savoir quand les révéler. Ouais, parfois les secrets, on les cache tellement bien qu'on finit par les perdre. Alors, au revoir et prenez bien soin de vous. À bientôt, docteur. Ça, on l'avait jamais ouvert depuis qu'on est ici. Mais c'est quoi? Ah ouais, je verrai ça plus tard, il faut que j'y aille. Tu vas où? Je croyais que tu travaillais pas aujourd'hui. Ouais, mais faut que je fasse un contrat encore. Ouais, donc en gros, on se voit jamais. Bah, c'est bon, je finirai pas tard. Comme d'hab. Ah, désolé. Bon, je vais me changer, il faut que j'y aille. Bah, t'as enfin réussi à partir de la. Ah non, pas de commentaires. Déjà que j'ai dû le faire tout seul. Tiens, au fait, j'ai pris ça. Bon, j'ai une idée. Ouais, t'as pris un briquet avec, j'espère. Ouais, t'inquiète, il est là. Allez, dégage. Bon. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Salut.
ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais du sport. Pour rester plus beau. Mais ouais, t'inquiète pas, t'es plus beau. Bon. Bon, je vais aller faire un tour dans la flotte, voir si elle est bonne. Tu fais du sport, toi aussi? Non, pourquoi? Comme ça. Ouais, elle est froide quand même. Bon. Tiens, passe-moi le croissant, s'il te plaît. Bon, alors, on fait quoi cet après-midi? Ben, moi, je peux pas trop bouger. On a qu'à pêcher. Allez-y si vous voulez, mais moi, ça me tente pas. On a qu'à faire un accrobranche. Ouais, je vais pas bouger. Ouais, mais personne t'a demandé de venir, toi. On pourra pêcher ce soir. Bon, on va réserver. Allez. Alors, c'est facile? Bah vas-y, avance, on verra bien comment tu te débrouilles. Ah ouais, vraiment? Ouais, vraiment. Ok. Ok, d'accord. Vous êtes vraiment débile. Non, mais il va se tuer là. Oh putain! Oh putain! Ah! Aidez-moi, merde. Eh, hey, vous êtes nuls les gars. Ah bah c'est facile pour toi, t'es en bas. Tiens, Max, si tu faisais pas le con, tu serais encore debout. Mais non. Oh, ils sont nuls. Bon, allez, avancez, merde. Bon. Bah c'était sympa. Ouais, mais je suis éclaté, je vais pas tarder à aller dormir. Petite nature. les gars. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai oublié mes gants. Merde. Non, sans déconner. Donc je vais aller voir dans la forêt et si je les retrouve. Allez, dépêche-toi, il va pas tarder à la fin de nuit. Par contre, si je reviens pas dans deux jours, bah cherchez-moi. Oh putain, ça sert à rien. Putain, ça fait une heure qu'il est parti là. Ouais, il faut chier. Au bout du point, ils sont moches ces gants. Ouais, mais autant il est arrivé. Ok, d'accord. Chose. Ok. Quelle petite chance passer par la tête, tu en es mort. On était con, quoi. Bon, on a qu'à aller chercher, on verra. Moi, ça m'inquiète, je fais pas ce genre de blague. Ouais, non, petit con. Enfin, il me semble, remarque. Bon, on va se séparer, ça sera plus simple pour le retrouver. Nous, on n'a pas de lampe torche. Hein. Bah, t'as qu'à prendre ton portable. Ouais, puis au pire, si vous arrivez un truc, vous criez. Et pourquoi t'as pris la caméra, toi? Ah, bah, c'est pour un souvenir, quoi. Comme ça, après, on pourra se foutre de sa gueule. On aura bien évité. Ah, bah là, l'important, c'est de le retrouver, hein. Oh, enfin bon, on peut rigoler quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, on se sépare. Hein. Allô ? Max ! Max ! Bordel, t'es où ? Max ! Où, Max ? Max, t'es où, bordel, là ? Max ! Max ! Ramenez-vous là, Max il est blessé! Ça va aller. Lily, appelle les secours, j'ai pas mon portable! Plus de batterie qui est... Non plus! Oh putain! Je sais plus la
comprends. Max. Non. J'aurais pas dû regarder ça. Ça va aller? Tu veux que je vienne avec toi? Oh non, je vais te tuer. Je sais pas si c'est une bonne idée quand même. S'en fout, c'est une bonne idée. Soir, pense à autre chose. Des verres. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, qu'est-ce que tu fais là? Je passe avec un ami. Lui là-bas? Bah, va t'asseoir, je vais vous servir quelque chose. Si vous avez encore besoin de moi. Je vais aller m'amuser un peu. Mais cette fois pareil. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui ai permis de se lâcher un peu. C'est quoi la suite? Ça te regarde pas.
chercher là. Je crois que j'ai fait une connerie. Ok, à tout. Mais il aurait dû mettre un truc dans mon verre parce que je me souviens vraiment de rien. Quoi, vraiment rien? Je peux me rendre un service? Pourquoi t'as voulu revenir ici? Je sais pas, attends-moi là, je reviens. Écoute mec, c'est pas pour t'emmerder, mais il va falloir que tu m'expliques quand même. Parce que là, tu deviens de plus en plus bizarre, ça commence à m'inquiéter. C'est tout est ma faute. Ça serait pas passé tout ça sans moi. De quoi tu parles? Max. Quoi Max? C'est un accident? Mais justement. Mais quoi justement? Mais de quoi tu parles? Je l'ai poussé, Romain. Quoi? Il m'a fait peur ce soir-là, il m'a couru après, mais moi pour me venger, je l'ai poussé. Maintenant, je l'ai tout pris. Sa vie, Lily, quoi, tout. Mais ça n'empêche que c'était quand même un accident. Bon, laisse-moi maintenant, faut que je sois seul. Non, mais arrête de déconner, mec. Viens, on se casse. Et casse-toi, si tu veux, moi je reste là. Écoute, je veux bien te laisser seul, mais n'empêche. Tu te fais du mal, là, et. Pensant à ces trucs qui sont passés il y a 5 ans, tu as niqué ta vie.
Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Calme-toi, Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sûre qu'il était avec toi hier soir. Ouais, ça te regarde. J'ai pas le droit de savoir. Elle me demande à lui, pourquoi tu me demandes à moi? Je le comprends plus, Romain. Il me dit plus rien, je sais pas ce qui se passe. Ouais, non, tu sais, moi non plus, il veut rien dire. Salut Romain, Alex est un peu danseur. La prochaine fois, viens avec lui, je pourrais m'occuper de vous deux. Allez, bisous, bisous. T'es vraiment un sale connard! Non, mais c'est pas ce que tu crois, Lily! C'est quoi alors, on joue aux cartes? Non, mais il était drogué, voilà! Et toi, tu l'as laissé faire? C'est pire que tout ça! Mais essaie de le comprendre, en fait! Y'a rien à comprendre! Je veux plus jamais te revoir! Non, mais Lily! Que t'aurais dû finir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ma faute, si tout s'est pas passé comme prévu, c'est avec Max que t'aurais dû être. Mais c'était un accident, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais c'est moi qui l'ai poussé. Quoi? Je l'ai pas trouvé ce soir-là. Je l'ai poussé quand il m'a suivi. Donc, tu dis que t'as fait ça volontairement? Mais c'était un accident! Et si c'était juste moi qui ai voulu me venger? T'as pas le droit de dire ça. Je dis juste que c'est pas avec moi que tu devrais être. Et c'est pour ça que t'as fait ça hier soir? J'en sais rien. Quand on réfléchit et que t'auras compris que c'est pas Max qui a décidé pour nous, on se reverra peut-être.